Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Player Seb. Ça y est, Nintendo a publié la date pour la mise à jour d'Animal Crossing New Horizon et c'est aujourd'hui le 19 novembre. Bon, il faudra attendre malheureusement après le 26 novembre pour le premier événement avec Dindou, le chef cuistot. Ah, et il faudra lui donner des citrouilles a priori. Donc j'espère que vous avez gardé vos citrouilles d'Halloween ou si vous avez encore dans votre ville, il faudra les déplanter. Et le deuxième événement, ce sera le jour des cadeaux, le 24 décembre, en compagnie de Rodolphe. Regardez-moi ces magnifiques décorations. Ça change des autres Animal Crossing où on ne pouvait pas mettre de la décoration dehors. Maintenant, dans celui-là, on peut, c'est magnifique. Les flocons qui tombent, il y aura Yetiti. Vivement. Ça va certainement commencer donc à 18h au soir. En même temps qu'on est en repas de Noël, c'est vrai que c'est un peu compliqué de faire les deux en même temps. Mais nous avons également 9 nouvelles mimiques qui viennent de débarquer. Donc pour s'asseoir, bye bye, photo. Oh non, arrêtez de me montrer les décorations de Noël dehors. Je suis tellement pressé. Les chaussettes dans les maisons, le papier peint flocon, vivement, vivement. Et on a également des nouvelles coiffures. De plus, ah. L'espace de stockage est passé maintenant à 2400 objets. C'est pas mal, et ce n'est pas tout. Transfert de données de sauvegarde, disponible donc le 19. Et pour la suite, prochaine mise à jour fin janvier. Merci Nintendo pour cette vidéo. Et je l'espère qu'au-delà des 1 an, ils continueront à nous faire des mises à jour avec des événements inédits. Bon, il y aura le Mario aussi, pour les 35 ans de Mario, donc il y aura un événement Animal Crossing Mario aussi, vers le mois de mars, logiquement. Donc on espère qu'ils continueront après, parce que quand même 26 millions de jeux vendus en 7 mois, c'est tout simplement énorme. Bon, le confinement y a sûrement aidé, mais c'est énorme, et je suis très fier pour cette licence que je suis depuis le début sur GameCube. Donc voir autant de gens y jouer, ça fait vraiment plaisir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un pouce et à vous abonner si vous voulez me soutenir. C'était Player Seb, à très bientôt!